إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقيم صلى رب العالمين Celui qui passe au faveur, nous vous continuons l'explication, le cinquième ayat toujours dans Sourate al-Fatiha, quand Allah Rabbul Amin disait « Ihdina al-Sirat al-Mustaqim »« Guide-nous le chemin droit ». Alors, dans la leçon précédente, nous venons prendre la base des vérités qui l'islam l'y basait, la base solide. Alors, par ça, l'élément que nous venons prendre là, nous venons prendre comment nous pouvons le chemin de la vérité. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons prendre un élément qui peut aider nous pour nous marcher sur la vérité. Alors, malgré que la vérité est capable de clair devant un monde, il y a un élément qui aide un monde pour qu'il puisse plus marcher sur là, et il y a un élément si le monde a saigné de ça, alors finalement, il est là qu'il est capable de marcher le chemin droit. Alors, chemin droit, il n'y a pas quelque chose qui est difficile pour comprendre, difficile pour trouver. Alhamdulillah, nous Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins quittent nous, loin d'in, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les décrit à lui-même, les dit, Leiluha kanahariha. Sur la nuit, il paraît comme sur les jours, c'est dans l'éclair. Peine en ambiguïté pour connaître qui se met qui la vérité. Trop facile, trop clair. Qui s'y met de la vérité, c'est sa même chemin. Qui base le Coran Sunna authentique seulement. Et ce chemin-là, c'est le chemin qui va en Sahaba Tilola, en Tabirin Tilola, en Aïma Tilola. Et en Ulama, c'est le divin qui plie comme ce chemin-là, qui aide nous pour nous marcher sur ce chemin-là. Il n'y a rien qui est difficile, il n'y a rien qui est compliqué. Alors, il n'y a personne qui est égaré de ça, excepté comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lui fait connaître, qu'il n'y a une personne qui sortit depuis. L'eau, sa chemin clair là, excepté un qui peut périr, un qui peut détruire lui-même. Alors, la vérité, c'est facile pour connaître. Mais qui fait, malgré que la vérité est facile pour connaître, malgré ça, il y a beaucoup de monde qui n'est pas capable de mort sur la vérité. Je peux, non, ça, taufir depuis Allah, Rabbul Amin, pour être mort sur l'eau, sur l'autre moustaqim. Comment nous dire? Quand nous disons, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim, guide-nous le chemin droit. Nous devons dire qu'Allah Rabbul Amin, premièrement, lui montre nous le chemin droit là, et deuxième, lui aide nous pour nous marcher sur ce chemin là. Lui donne nous taufir pour nous marcher sur ce chemin là. Alors, aujourd'hui, nous laissons le plus un élément qui peut aider nous pour nous gagner taufir depuis Allah Rabbul Amin, pour qu'il nous capable de marcher sur notre moustaqim. Alors, un premier élément très important qui ne fait pas cela, quand Allah Rabbul Amin, lui-même, dans Sourate al-Fatiha, lui montre nous qu'il nous faisait faire doigt. Alors, faire doigt, il y a un élément très important qui aide un djimoun pour marcher sur la Moustaqim. Alors, Allah Rabbul Amin, quand 17 fois minimum, ça, ben qui, ben namaz farad, ben rakat qui farad, 17 fois besoin de lire, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Alors, il y a important quand nous pouvons faire salat, quand nous pouvons lire « Ihdina al-Sirat al-Mustaqim », nous l'écrire présent, nous pouvons ressentir qu'il nous peut besoin ce chemin droit-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons besoin gagner tawfiq avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous connaisse la vérité et nous marche sur la vérité. Là, ça doit là, l'hypoïna, l'effet, l'eau. Alors, à part dans Surat al-Fatiha, à part dans le namaz qu'il nous fait, qu'il soit faraz ou bien affil qui nous lit Surat al-Fatiha, connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala fin généralisé, il montre nous qui ni nous devoir de temps à autre, nous demandons Allah pour guider nous. Allah dit dans le hadith Qudsi, Ya ibadi kullukum dal,
homme ou bien esclave, je suis toujours ben égaré, illa man hadaytuhu, excepté ben qui moi me guide. Fastahdouni ahdikum, demande-moi la guidance afin qu'il me guide. C'est-à-dire, il y a un devoir. Le tout ben esclave, Allah subhanahu wa ta'ala, pour je demande la guidance. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il commence son qiyam, et quand il termine son qiyam, on trouve que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'isbédiman, la guidance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Aisha radiallahu anha, il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se débout pendant la nuit, l'isbédiman commence ce salat en disant sa doua là. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Ou Allah, toi-même, Rab de Jibril, Mika'il et Israfil. Fatir as-samawati wal ard. Toi-même, créateur, banlissez la terre. Alim al-ghaybi wa shahada. Toi-même, connaisseur. De tout man qui soit qui invisible et tout man qui soit qui visible. Anta tahkumu bayna ibadak fi ma kanu fihi yakhtalifun. C'est toi qui fais jugement entre tout man esclave et tout man qui soit qui se diverse. Ihdini limakhtulifa fihi min al-haqq. Alors, get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ipédéman doit pour Allah guide lui. Alors, guide-moi vers la vérité qui m'en a fait diverser concernant lui. Alors, il y a beaucoup de divergences sur la terre. Qui est-ce qui est capable de guider nous pour montrer nous quand sa vérité là, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande avec Allah, oh Allah, guide-moi vers la vérité qui va la fin diverser concernant lui, bi'idnik. Porte au père, Michon. Innaka tahdi man tasha ila surat mustaqim. Tu guides celui qui t'a oulé le chemin droit. Allah Rabbul Amin dit tout seul qui détenir sa qualité pour guide Bantimoun, étant un Rab, étant lui qui contrôle tout, peine à doute que la guidance lui trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, lui guide celui qui voulait par la justice. Allah subhanahu wa ta'ala lui guide celui qui voulait par une bonté, par faveur de ce port. Allah Rabbul Amin lui guide celui qui voulait par faveur de ce port et lui égare celui qui voulait par la justice. N'importe qui s'en a, qui peut faire des efforts pour rendre la guidance, pour pratiquer la guidance, peine à doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est sincère de sa recherche, Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer la guidance, pour guider lui. Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde qui voulait faire ses efforts là, peut lutter dans la vie pour connaître la vérité, Allah pas pour guider lui comme ça même. Allah dit, « Walladina jahadu fina » La nahdiyannahum subulana. Ban qui lité pour nous cause, certainement nous pour guide ban là. Allah Rabbul Amin, tout le monde qui fait des efforts pour rendre la vérité, il est sincère dans sa recherche pour la vérité, il fait un tracas pour connaître la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala pour guider lui vers sa vérité là comme un lunaire de la part d'Allah. Connaît qui mort sur la vérité, c'est un faveur spécial. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère l'homme en djimoun. Pas tout le monde qui gagne sa faveur là avec Allah. Alors ça c'est une faveur spéciale qu'Allah a donné. Et il donne à un djimoun qui peut faire un doigt, important, djimoun doigt. Mais ensemble, on doit et nos efforts. Bizarre faire des efforts derrière nous doigts. Pareil que moi concernant nous dunya, nous comprend qu'il y a un doigt, pas suffit. Oh Allah, fais-moi gagner des enfants, c'est moi pas faire des efforts pour marier. Pour gagner des enfants, pas pour gagner des enfants. Pour gagner des enfants, ou du monde doit, ou faire des efforts, ou marier, les la parole d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner nos enfants. Alors, comme ça même, pour gagner la guidance, ou du monde la guidance, après ou pas faire aucun effort pour gagner les, jamais, ou intéressé pour leur prendre, la, concernant dîner Allah subhanahu wa ta'ala, jamais ou intéressé pour qu'on, qui s'en a qui peut enseigner la vérité, qui s'en a ban roulama, jamais on est intéressé avec tout ça là, ou content tout avec ce que tu apprends dans madrasa, je ne sais pas combien de bananes de cela, comme si plus guidé qui ou n'a pas été là, ou pas fait aucun effort, alors peine à doute qu'il est là même, beaucoup de monde n'a pas gagné la guidance, parce qu'ils n'ont pas fait aucun effort pour gagner la guidance. Alors pour gagner la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire, Walladina jahadu fina. Ban qui lité pour nous cause. Et puis ça fait des efforts. La guidance, la nahdiyannahum subulana. Allah certainement pour guider, pour guider. Pense au faveur. Wa inna Allah la ma'al muhsinin.
certainement Allah subhanahu wa ta'ala il y avait ban bienfaiteur, ban kifir, ban bon. Quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra avec eux, si vous pouvez prendre le chemin de la droiture, bien un doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra aider. Comme ça même, il est très important qu'un dimon qui peut rôder la droiture, il vive dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait des efforts pour y mettre en pratique tout ce qu'Allah rabbul alamin fin ordonné et y abstenir de tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin empêché. Un dimon qui sort, l'équipe rempli avec ta croix, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah, yaj'al lakum furqana. O ben qui finamène iman, si je gagne ta croix Allah, l'ipoako jod furqan. Et furqan, c'est faculté pour distinguer entre les biens et les mal. Alors, quand un dimon gagne furqan, pour être capable de distinguer entre la vérité et la fausseté, ça vrai, me suivre, ça fausse mot, abstenir, quand un dimon gagne ta croix Allah. Un dimon n'a même pas régulier, n'a même pas fait, quand il rêve, il fait. Un dimon qui, grand-matin tantôt, peut désobéir à Allah pour écouter santé, la musique, pas droguer, pas faire tout le quelque chose qui l'islam puis n'empêche. Est-ce que ça m'a qualité du monde là? Je mérite la guidance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a d'autres qui n'ont pas eu de moyens. Pour qu'Allah rabbul alamin nous guide nous, l'eau sur notre moustakim, ces efforts qu'il nous fait pour vivre dans l'obéissance à Allah. Ces efforts qu'il nous fait pour vivre dans l'obéissance à Allah. Plus nous faisons des efforts pour nous manger l'eau sur notre moustakim, l'obéissance à Allah, plus Allah rabbul alamin nous guide nous. Et plus nous avons une négligence dans nous, qu'il soit vis-à-vis nous-mêmes, dans nous-mêmes, l'obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette en nous, ou bien vis-à-vis de nous qui sous nos responsabilités. Alors, je vous dis qu'il n'est pas drôle qu'il y ait du monde, il n'est pas de gagner la guidance parce qu'il est trop néglige sur la famille. Il peut gagner un tracas pour le masier, il peut gagner un tracas pour sortir tout le chemin d'Allah, mais il peut gagner un tracas sur madame, sur les enfants. Qui qualité la vie, je peux amener. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala délaisse, pareil comme il délaisse sur ma responsable. Responsabilité. Alors, un dimon qui a envie de gagner la guidance, il a besoin de gagner ta croix à Allah subhanahu wa ta'ala, comme a besoin d'abstenir depuis ma question qui est haram, de faire ma question qui Allah fin ordonné, Allah rabbul alamin pour qu'il l'y. Ibn Taymiyyah rahimahullah le dit parmi les façons à travers lesquelles Allah punit un dimon pour ce ban péché que je fais, c'est qu'il y arrache de ban là la guidance et connaissance profitable. Allah subhanahu wa ta'ala. Li empêche ban di moun gagne la guidance, il empêche ban di moun gagne ban connaissance qui profitable, qui fait par PC qui est là. Il y a beaucoup de moun si tant d'un PC. Alors, un petit doute, ban di moun mette l'eau d'Ari qui m'invite l'eau la vérité. Un petit doute. Un petit, la brise même finit cette sa doute là, mais li, une grande affaire d'une gagne. Pas capable de prendre connaissance avec sa ban di moun là. Alors finalement, il reset la vérité par un petit doute, un petit tasse qui ban du monde mettait l'eau ban alim, l'eau ban kilo sur le moustakim. Alors finalement, autrement dit, il reste plus loin avec connaissance qui est profitable, il reste plus loin avec sur le moustakim. Alors, nous ban PC, qui nous peut faire, il vient une barrière entre nous et sur le moustakim. Fais attention. Qu'Allah Rabbul Amin lui pardonne nous tout. Et Allah Rabbul Amin lui montre nous la vérité vraie. Et lui aide nous pour suivre la vérité. Lui montre nous fausseté fausse. Et lui fait nous rester loin depuis fausseté. Alors, peine à doute qui, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui pécole qui sa oumette là, lui pour diverser, pour une division, lui fait un conseil nous par qui ça fait. Lui conseil nous par et n'a ta croix. Une fois Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après cela, alors il fait une vie avec Mansarava, il fait un coup de bas. Un coup de bas qui tient à éloquence plein là-dedans, par lequel l'homme fait couler des piliers et l'équerre fait remplir avec la frayeur. Alors une personne fait dire, oh messager d'Allah, ce coup de bas là, c'est comme si dernier coup de bas qu'il fait faire. Alors, quelque chose, vous pouvez confier nous. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, mon conseil, c'est autres fautement. Pour ayant ta croix à Allah et pour écouter et obéir à cet amir, même s'il y a un esclave abyssinien. Celui parmi eux qui pour vivre après moi, il peut trouver beaucoup de divergences.
Alors, attrape ma sunna. Et sunna de Ban Khalifa bien guidé, et Ban Khalifa qui bien guidé, qui poule la voie droite. Cramponne avec ça, et mode l'effort avec les dents. Fais attention, compte Ban nouveauté. Parce que tout nouveauté, c'est bid'a, et tout bid'a, c'est les gammes. Alors, dans ce hadith, il y a deux éléments très importants qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien trois éléments très importants qu'il fait mentionner, qui ça, il faut aider nous pour nous mentionner sur l'autre moussakir. Premier, nous besoin à taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, nous obéir, nous amir, nous attrape Quran sunna faux. Alors, ça, c'est trois éléments qui nous besoin à dans nous. Éléments qui nous besoin payer dans nous, qui nous besoin éviter, c'est nous besoin restreint plus loin qu'il nous capable depuis toute forme de bid'a. Aujourd'hui, il y a autant de divergences parmi les musulmans, parce qu'ils peinent à taqwa Allah, parce que beaucoup de musulmans ne peuvent pas obéir à ce tamir, parce que les musulmans ne peuvent pas attraper le Coran, sunna comme on disait, et ne peuvent pas attraper le chemin des bandes salaf, et aussi par les bid'a qui les musulmans tombent là-dedans. Alors, ça, c'est un élément qui amène division. Pour nous, vins-nous sur l'autre moustakim, pour qu'ils nous tous nous marchent le chemin droit. Alors, nous avons quitté tout bida et nous attrapons pour un sunna et ce qui ban sahaba tilo, ce qui tilo là, et aussi nous avons un taqwa Allah dans nous la vie. Alors, bien un doute qui pense à l'éclair qu'un musulman a besoin de faire des efforts pour lui purifier sur l'éclair de tout ban maladie qui est capable d'y aller. Bonne maladie, les cœurs, peine à doute qui ça, l'hypomie, bonne maladie, plie, fait un dimoun, reste loin des pieds sur l'autre moussakim. L'arrogance, la jalousie, la haine, ça c'est bonne péché grave, bonne malpropreté grave, qui est dans les cœurs, bonne dimoun, qui finalement, par ça, Allah subhanahu wa ta'ala vient montrer comment, bonne peuple avant, et même, bonne, musulmans, si j'étais dans cette qualité-là, ça pouvait être autre loin depuis sur l'autre moustakim. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les juifs. « Afa kullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum ustakbartum, fa fariqan kazzabtum, wa fariqan taqtulun. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un messager, puis une vine vers eux avec ben, la loi, qui ne sont pas contents, je fais montrer eux arrogants, je fais démenti. » certains messagers et je fais une tuer certains. Alors, par l'arrogance qui tient dans eux, je ne refuse d'accepter la vérité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'arrogance, c'est résette la vérité. N'importe qui ça qui résette la vérité, c'est un arrogant. N'importe qui s'en là, qui la vérité vient vers lui, depuis n'importe qui s'en là, il résette ça la vérité là, alors il y a un arrogant. Et celui qui considère ben, du monde inférieur, ça c'est ben arrogant. L'arrogance, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'infini définit que c'est un arrogant. Un arrogant, c'est un qui, quand la vérité est venue, il résiste, ou bien il considère un dimoun inférieur. Il y a un extra. Il plus qu'il met. Et il considère tout le monde bas. Alors, ça, c'est un arrogant, celui qui résiste la vérité et celui qui considère un dimoun inférieur. Les tabiri mujahid, il y a deux personnes, pas pour gagner connaissance, qui profitable, c'est-à-dire un arrogant. Et un qui honte, il est trop honte, il va dire maintenant, et alors il reste ignorant, alors il va pas gagner la connaissance. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, une deuxième qualité, il dit وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Beaucoup من أهل الكتاب, من juif et من chrétien, si content, retournent comme من kuffar, c'est-à-dire kuff. Après qui je fin amène iman, je ban qui fin amène iman, alors ban kuffar, ban juif, ban chrétien, envie de retourner dans kuffar. Qui fait? Par la jalousie des ban là, je pas, après qui la vérité fin être claire à ban là. C'est pas à cause, je retrouve l'islam clair, qu'il y a une région de vérité qui je fin refuse en voici ça, mais par jalousie qui je sais là. Qui fait? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pan vin parmi je, il vin parmi ban arabe. Alors, jalousie qui finit là, des autres pas, je viens résette la vérité, qui finit bien, bien, je viens la jalousie, comment les vins une barrière entre Bandimoun et la vérité. Alors, à cause de ça, qui nous besoin nettoyer, nous l'équerre, depuis la jalousie, depuis l'arrogance. Comme ça, Allah Rabbul Alamin nous dit, voilà, yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, ya'dilu, huwa aqrabu lit taqwa.
pas les dégoûts d'un peuple, faire juste, pas faire la justice, mais être juste, ça les plie près avec ta croix. Alors, peu doute qu'il y a une troisième qualité encore, c'est dégoût. Qui beaucoup de monde, je t'ai là pour la vérité même. Je t'ai là pour le groupe de la vérité. Alors, quand il y a un dégoût pour le groupe de la vérité, il y a pour les gens qui sont morts sur la vérité, mais ça dégoût qui est là dans ce léquier. Pour les musulmans qui ont le haq, qui ont la vérité, ça vient une barrière entre lui avec la vérité. À cause de ça, qui s'amène de vous trouver la vérité vraie, de vous trouver la fausseté qui est bon, et de vous trouver la vérité toujours une chose qui n'est pas correct. Alors, nous besoin enlever ça dégoût, ça l'ennemi qui est là dans le léquier. Pour nous ban frères musulmans qui peut mort sur la vérité. Oui, on a des goûts. Pour des monde qui peut pratiquer couvre, qui peut pratiquer bédard, qui peut pratiquer ban grand PC. Ça, on a des goûts pour sa ban action là. Mais pour des monde là, non. Si un musulman, oui, non. Vous êtes content, lui. Vous êtes content, tout musulman. Vous n'avez pas le droit d'avoir des goûts pour un musulman. C'est-à-dire, un musulman qui a la vérité, comment est-ce que vous êtes capable d'avoir des goûts pour un musulman qui a la vérité? Il y a d'autres qui sont, il suffit. Pour faire un djimoun, reste loin depuis sur l'autre moustakim. Aujourd'hui, beaucoup de djimoun, pas mais capables, viennent sur l'autre moustakim pour dégoût qui sont là pour une personne qui a la vérité. Quand ils sont là dégoût pour une personne, non, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne depuis sur l'autre moustakim. Alors, être juste. Si un djimoun peut enseigner la vérité, reconnaître sa vérité là, acceptez-le. Il y en a d'autres qui savent pour plus proche avec ta croix, comme Allah subhanahu wa ta'ala fin dire dans sa ayat là. Sahl ibn Abdillah lui dit, li haram, pour que la lumière rentre dans un léquier et qui dans sa léquier là, et non, qui chose qui Allah détesté. Il y en a d'autres qui Allah Rabbul Amin, il détestait l'arrogance, il détestait la jalousie, il détestait le dégoût, qui est non, pour man mu'min. Allah content man mu'min, ou en a dégoût man mu'min. Alors, ça vient, ban, barrière qui finalement ça la lumière de la vérité là n'y pas rentre dans les cœurs. Comme ça même par un élément très important qui un musulman lui besoin mettre beaucoup l'emphase là c'est lui besoin prendre concernant ce dîne. Alors ben ayat qui suivent ben à doute qui Allah Rabbul Amin par devant lui pour cause concernant trois catégories du monde qui inchallah nous pourra prendre. Alors nous trouvons qu'il y a un man juif qui je tenais la connaissance, mais je ne pratique cette connaissance. Et là, ben, chrétien, qui je paie la connaissance, mais je compte en pratiquer, c'est-à-dire, je innover, je fais une innovation, je compte en pratiquer sans connaissance. Ensuite, reste une seule catégorie du monde, c'est ben, qui est dans la connaissance, et je pratique la connaissance. Alors, un musulman, il est bizarre à apprendre concernant ce dîne. Imam Bukhari, quand il fait cause concernant le groupe de la vérité, il dit, chapitre, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haq, concernant sa man djimoun là, pour toujours être un groupe de mohammed qui pour éclairer l'eau la vérité, dit-il, wa hum ahlul ilm, dit-il, sa man là, c'est ban djimoun de connaissance, et ban qui l'eau la vérité, je vous combattre l'eau la vérité là, alors qui c'est sa man là? Imam Bukhari dit, hum ahlul ilm. C'est ban compagnon de la connaissance, c'est ban savant. Alors, ban ahlul ilm, ban qui? Ban nous dit, ban ulama en premier. Ensuite, ban qui peut mort ensemble avec ban ulama, ça ban là, je peux toujours la vérité. Un djimoun qui pas pour mort avec ban ulama, un djimoun qui pas pour mort avec ban djimoun qui n'a la connaissance, il pas pour capable de vivre la vérité. Parce que comment il peut vivre la vérité si, il ne connaît même qui la vérité est, non? Comment il vous pratique digne de la vérité? Il vous pratique digne de la vérité. Alors, il y a pourtant qui nous toujours prend les sons avec Benjamin qui l'ont sur l'autre Moussakim et nous disons, pas faire ça et rien. Nous allons écouter tout le monde, nous prenons connaissance avec tout le monde et nous disons, mais je prends ce qui est bon avec lui. Mais si vous dites sa qualité de parole là, nous vous disons, oh, elle prend sa place, elle enseigne où? Parce que vous plus connaissez qui est. Ou fini connaît qui bon en lui, qui pas bon avec lui. Lui-même n'y pas connaît qui pas bon avec lui, ou on fini connaît tout. Alors, peine à doute que ça, c'est une façon qui chétonne, puis embête beaucoup de monde, fait je prends connaissance avec je tout, finalement, lui égaré sans qu'il y ressenti. Et connaît qui m'en doute. Chétonne fait ça rendre l'équipe plus facile. Ben, salaf de sa oumette là,
من قام قام إمام كما إمام أحمد بن حنبل إمام أحمد بن حنبل ديشن بيزا جاء أن لسيان دارا كونيسانس لي ديش بيجا هبير بو يكوت أن بداتي مم أن تشيكت مم آيات قرآن دي بان غد يكوتي دي بان بداتي لي بير أتنشو كي بزري سا يال يال كونتان سو لكتور Finalement, il y a l'émerveillé par lui. Finalement, il y a l'écoute-lui. Finalement, un doute rentre dans ce lecteur. Imam Ahmad bin Hanbal, toute sa connaissance qui tient à là, il n'a pas le droit d'écoute, ban qui dans l'égarement. Aujourd'hui, ban jahil qui perd la connaissance, les autres qui se disent, moi, moi, l'écoute, je tout, moi, après, on prend ce qui est bon. C'est-à-dire, au plus, qu'on est qui dit tout, qu'on est qui est bon, qui parle mon tout. Alors, ben, un doute qui sent, ce n'est pas qualité. D'un du monde qui peut envie marcher sur la terre musakim. Un du monde qui marche sur la terre musakim, il prend compte avec San là, il peut prendre ce din. Les tabi ibn Sirin, qui fait mort la naissance du Sidri, il dit Inna hadha al-ilm dinun. Certainement sa connaissance, hein? C'est din. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Alors, guettez avec San là, je vais prendre ce din. Din, pas qu'à apprendre avec n'importe qui San là, ça. Un du monde qui a un certificat, mais s'il est égaré, les pour égaux ou ensemble avec lui. Alors, nous pas get din par certificat, mais nous get qui peut enseigner. Est-ce qu'il peut enseigner nous? Coran, Sunna, d'après compréhension devant Salaf, et est-ce qu'il c'est comme ça même qui m'en oulama, fin comprend? Ça m'en dit bon qui peut habiter nous là. Est-ce que je peux montrer nous ce qui m'en oulama? L'oula? Si, maintenant, peut montrer nous ce qui m'en oulama, qui l'a haq, qui l'a la vérité. Je te l'oula, alhamdulillah. Ou si, si vous pouvez pratiquer, si vous pouvez pratiquer ce qui m'en oulama, l'oula. Mais aujourd'hui, combien de gens qui sont capables d'apprendre dans l'université islamique de Madina? Mais c'est moi qui amène des gens qui sont jamais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, jamais Ban Salaf fin pratiqué, jamais aucun man ulama qui a la vérité fin enseigné sa man kade qui sont. Montre-moi un seul alim qui a le haq, qui a le sunna, qui ban ulama considère qu'il est un vrai alim, comme Cheikh Bimbaz. Comment Cheikh Uthaymin, comment Cheikh Al-Albani, Cheikh Fawzan, etc. Montre-moi un seul qui vient dire qu'un vrai musulman, je peux trouver l'autorité, peut faner, alors descend le coltan, faire manifestation. Côté dans ça. Est-ce qu'on a trouvé ce manque d'enseignement-là dans le Coran, dans le Sunna, dans l'action des man salaf, ou bien dans l'enseignement des man ulama qui nous font mentionner? Tout ça-là, jamais fin existe ça. Mais et non, aujourd'hui, je vais montrer qu'il soit déjà qui de la vérité, lui qui salafi, lui qui peut le chemin à salafi. Après, je vais enseigner vous quelque chose qui jamais aucun alim tilo. Et ça, il finit donner une indication claire qui ça m'a dit là, je parle de la vérité. Alors, comment est-ce que vous êtes capable de continuer à les sous-embêter par eux? Comme ça, pareil, comment je ne réussis pas où m'en s'accouler là, ou une croix dans eux qui voit. Ben, ça, c'est une façon pour, ben, je dirais, contrecarrer l'injustice, soit-disant, puis empêcher les mal, alors nous descendons le coltan, on est embêté par les autres, on accepte lui, on est allé. Mais ben, comme ça, comme il sort doucement, doucement, ça, un dé qui commence à apparaître. Mais ben, ce qui cachette en eux, vous connaissez? Eux, même, je ne connais pas qui commence une cachette avec eux. Ou vous connaissez? Alors, doucement, doucement, c'est moi tout pour sortir. Ben, dis-moi, qui est le fausté? Un seul coup, tu prends tout ce fossé, il me dit, bon, ben, vous pouvez trouver sa fosse, vous pouvez abstenir de lui. Mais quand on vient gâter avec lui, il est là doucement, doucement, il disait, souvent, tu pourras jouer avec vous, il est là même qui, ou finir rentrer sans qu'il vous accepte. Et il y a beaucoup, ben, du monde, si vous dites aux autres, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un droit passeport kabar pour jouer avec Allah? Beaucoup, ben, musulmans, vous dites, non. Mais pourtant, il y a beaucoup, ça, ben, qui n'est pas si d'accord là. Quand je ne rentre dans certaines manjamat, quand je sortis de l'Aldolène, là-bas, je rends ma dit même, et n'a kabar. Alors finalement, maintenant, je suis d'accord avec ça pour pas soit kabar. Alors je commence d'accord tout. Alors, qui chose qui je suis ici, hein? Qui ça c'est l'égarement. Mais quand je suis rentré dans cet égaré-là, doucement, doucement, je commence à accepter tout ben l'égarement qui est dans ce sec-là. Alors, il y en a d'autres qui. À cause de ça qu'il est très important pour nous mettre au chemin de Ban Salaf et nous mettre au chemin de Ban Ulama. Ban Ulama, c'est eux qui pensent à nous dignes de la vérité parce que c'est Ban Dimoun qui n'a plus ta croix pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Imam Malik, rahimahullah, lui aussi, lui dit certainement sa connaissance
c'est te lâcher et te descendre. Ça veut dire quoi te prendre en compte, te lâcher et te descendre. Alors, prends en compte la connaissance qui te paie en panne. Et concernant ça même, tu peux être questionné les jours du Qiyama. Les jours du Qiyama, tu peux être questionné parce que c'est dîn ça. Tu peux être questionné concernant sa connaissance qui te paie, faire des efforts pour apprendre, pour pratiquer, pour inviter bien ça là. Alors, les dire, alors guettez avec qui ça là te peut prendre. Guettez avec qui ça là te prend la connaissance. La connaissance, tu vas prendre avec n'importe qui ça, avec n'importe qui ça là, afin que ça aide toi pour te faire différence en digne de la vérité et digne des faussetés. Comme ça même, il ne faudrait pas nous venir un sujet avec des n'importe qui s'en a. Alors, peine à doute qu'un musulman, l'Ibzien reste toujours avec un esprit ouvert. Mon stade, mon apprendre avec lui, mon profiter avec lui, alhamdulillah, mais seulement s'il ne fait rien, soit rien, pas capable de dire la vérité. Il est capable, je dirais, mon papa, il est capable, mon dada, il est capable d'être plus proche avec moi, mais s'il dit dans et rien, peine à doute qui serait mon besoin résidé. Alors, Allah Rabbul Amin, il met nous en garde concernant Ban Koufar, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit Quand dit Ban Allah, suive ce que Allah fait faire descendre. Ban Allah dit Nous poursuivons ce qui nous fait trouver nos ancêtres là. Alors, je parle d'accord pour suivre ce qui est dans le Coran Sunna. Non, mon papa ne fait ça tout le temps. Mon famille ne fait ça tout le temps. Mon grand-parent ne fait ça tout le temps. Alors, finalement, ça, il vient un moyen pour détourner mon monde depuis la vérité. Il n'est pas même au professeur, au stade, l'état de Ayoub, à sortir à l'année de dire. Si tu voulais qu'on erre de ton enseignant, assise en compagnie d'un autre alim qui a la vérité. Alors, quand nous marchons avec un autre alim qui a la vérité, il y a certainement certainement erreur qui s'en alim n'a fait faire. Mais si nous trappons, c'est l'alim, nous marchons avec lui, il y a d'autres qui l'a là, nous poursuivons lui, c'est une erreur qui l'a fait tout. Alors, à cause de nous, quand on invite Manjimoun pour suivre ça là. Un seul salaf? Non. Un salaf en général. Et ben, ulama en général, non plus une seule personne, peine à doute qui se nous suit une personne, et une seule personne qui nous l'a poursuivi. C'est-à-dire Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à part Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas suivre personne. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit concernant Abdullah ibn Muhammad al-Harawi, il dit, Cheikh l'Islam, il y a une personne qui nous compte en lui. Il dit, ça compte en ce professeur, mais la vérité, il est plus cher à nous qui dit. Mais quand la vérité vient de venir, il y a mon professeur qui m'a bien content, il y a mon papa qui m'a bien content, mon dada qui m'a bien content, mais seulement, il reste qui, quand la vérité vient de venir, m'a plus content la vérité, qui mon papa, mon maman, n'importe qui s'en a, mon stade, alors nous devons résoudre ce ban fausseté qui vient de tomber là-dedans, ce ban légalement qui vient de tomber là-dedans, et nous suivons avec la vérité. Comme ça, il ne faudrait pas nous laisser nous dicter par nos passions. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les dire, quant à qualité qui dirige vers la perte, c'est une personne qui laisse lui dominer par l'avarice et une personne qui suit sa passion, une personne qui admire lui-même en oubliant que tout ce qu'il a besoin vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il ne faudrait pas un jour y émerveiller par lui. N'importe qui peut faire. N'importe qui prend action, il peut faire. Connaît que c'est un faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est une mohlikat. Une action qui peut détruire un jour. Qui vous amène du monde vers la perte. Et parmi l'avarice, il ne faudrait pas ouvrir un du monde qui n'est pas content de penser. Et comme ça même, il ne faudrait pas ouvrir une personne qui suive ou désire, suive ou passion. Parce que ou passion, il peut amener nous vers l'égarement. Alors, Hassan al-Basri dit, ban qui suive cette passion, je commande ban juif et ban chrétien. Alors, peine à doute qu'il ne faudrait pas un du monde qui suive ce désir. Hein, moi, qui m'a offert. C'est-à-dire, il y a un terrible, il est capable de prendre des décisions qu'il a envie, de faire ce qu'il a envie. Alors, dîn islam, ce n'est pas nous l'envie, ça. Ce n'est pas nous passion. Hein. Dîn islam, c'est suivre le Coran, le Sunna, d'après compréhension des ban salaf et d'après ce qui est ban ulama, l'eau. Comme ça, même, il ne faudrait pas nous laisser nous influencer par ban proche. Alors, dans l'époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les sahabi, Saad ibn Abi Waqqas, ils finissent par l'islam. Ce maman, pas finissent par l'islam. Et ce maman, pas au lait. Qui s'ad, tu n'y fermes l'audit à l'islam. Alors, maman de s'ad, tu fais un serment qui s'amène pour cause avec s'ad, jusqu'à qui s'ad
faire coffre avec ce din et qui n'est pas pour manger, n'est pas pour boire. Alors, il finit dire, maman a dit avec ça, tu prétends qu'Allah finit ordonne-toi pour agir bien envers tes parents, moi, moi, ton maman, et moi, je ordonne-toi pour faire ça. C'est pour quitter din, faire chier. Alors, il finit reste comme ça pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il finit tombe sans connaissance. Alors, pas de difficulté qu'il vient subir, parce qu'il n'a pas mangé boire pendant 3 jours. Alors, un parmi ce garçon qui appelle Omar, il finit de donner à boire, il finit de donner de l'eau. Quand il finit de gagner connaissance, il finit commence à faire doigt contre Saad. Il commence à faire ban ban doigt, l'eau Saad. Alors, Allah finit de révéler sa ayat, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa sayna l'insan bi walidayhi husna, wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alors, nous faisons ordonner l'insan pour agir bien avec ses parents. Mais si les deux, force-toi pour faire shirk avec moi, quelque chose qui te met la connaissance concernant ça, pas obéir à eux là-dedans. Pas obéir à eux là-dedans. Pas obéir à tes parents dans la désobéissance à Allah. Si je peux ordonner toi pour faire shirk, pour faire bid'a, pour faire baisser, alors, il y a d'autres qui paient dans l'obéissance, aucune créature dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vers moi que je pourrais tourner et je pourrais informer de ce que je peux faire. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit de descendre cette ayette-là, il n'y a pas de doute qu'il y a une preuve claire là-dedans, qui s'arrête, il n'y a pas pour écouter son maman, il n'y a pas pour suivre son maman, il y en a pour signifier la vérité qui dit là, et il ne faudrait pas lui laisser ce pan proche influencer. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, celui qui vient vers toi avec une vérité, accepte-le. Même s'il y a une personne qui est loin avec toi, tu n'as aucune relation familiale, camaraderie, non, rien, tu n'as pas. Il est loin avec toi, tu n'as pas connu lui-même, mais c'est moi qui amène une bonne vérité, accepte la vérité. Et c'est lui qui vient avec toi avec fausseté, résette-le, même s'il y a une personne qui te content et qui est plus proche avec toi. Et quand tu as, je dirais, un monsieur sur madame, ou bien un madame sur monsieur. Il n'y a pas sur maman, sur papa, sur enfants, sur un frère, sur une soeur, un proche. Plus proche, mais si il amène posté, résette son posté, et un qui plie loin avec vous, s'il amène la vérité, acceptez la vérité. Alors la vérité, nous pas guette, à quoi mon bien en lui, à quoi mon famille avec lui, dès là, m'acceptez-le. Sinon, s'il n'est pas famille avec moi, moi résette-le. Pas comme ça qu'il nous guette la vérité. Comme ça même, il ne faudrait pas nous laisser tout émerveiller avec l'éloquence. Aujourd'hui, beaucoup de monde qui sont émerveillés par l'éloquence. Ça n'a là, il ne fait pas bien le micro. Ça n'a là, il connaît anglais bien. Ça n'a là, il connaît français bien dit. Alors, finalement, du monde est merveillé par éloquence. Je suis, ben, du monde, même dans les gants, même dans les gants. Mais, au fait, nous mesure parole de ben, du monde, l'eau balance, qui t'a voix sunna, et est-ce qu'ils ont fait mal d'après ce qui ben, sahaba, tilola, ben, tabirin, tilola, ben, aïma, tilola. Est-ce que c'est ça, ben, oulama, l'eau-là? Alors, les là qui nous capables d'apprécier, un dimon sur éloquence, alhamdulillah, c'est un dimon qui est éloquent, il est la vérité, mais il y a d'autres qui disent plus meilleur. Mais si c'est l'éloquence, ça jamais représente la vérité. Au contraire, la source sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui m'a plus peur pour mon mat, c'est ça que mon munafik qui compte causer. Alors, ben, mon munafik qui compte causer, je casse rangé, je fais fausseté paraître la vérité. Alors, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ben, d'ailleurs, même, qui peut inviter bien, soit dit Allah subhanahu wa ta'ala, et au fait, je peux inviter bien, je mets des légaments, alors je te casse et rangé, je te fais manifester paraître la vérité. Je t'amène un bout d'une parole en alim, je te mets là, ou bien un petit glissé qu'un alim, puis glissé, je prends la parole là, je trappe ça fort, et je veux te montrer qui man qui la vérité d'infoster, et je te casse la vérité qui est là. Alors, ben du monde qui connaît causer, c'est ben danser pour sa ummat là, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu plies payer pour sa ummat là. Comme ça même, il ne faudrait pas nous laissons embêter par la quantité. Alors, quand nous peut suivre la vérité, on dirait nous trouvons un groupe qui doit la vérité. Ça, jamais, ça représente qu'ils ont de la fausseté. La vérité ne nous pas guette par quantité. La vérité ne nous guette par contenu. Parce que, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais il n'y a aucun prophète qui m'a dit, fin croire lui, dans la façon qui m'a dit, fin croire moi. Ça n'est plus beaucoup de monde, finalement, il m'a dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, certainement pas un prophète. Et la prophète qui personne pas fin croire dans lui, dans ce ummat, excepté une seule personne. Et dans notre riwaya, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit, ben, ummat avant eux, fin être
présenté à moi. Il trouve un prophète qui tient un petit groupe avec lui. Et un prophète qui tient un des du monde avec lui. Et un prophète qui pas tient même personne avec lui. Prophète, il me fait d'avoir peine personne avec lui. Est-ce qu'il passe dans la vérité? Peine un doute qu'il dit la vérité. Alors, un prophète peut présenter dans le tribunal Allah avec peine à personne derrière eux. Il a un des du monde avec eux. Il a un seul du monde avec lui. Mais tout ça là, c'est une indication que la vérité ne va pas détecter par la quantité. La quantité. Comme ça même, il ne faudrait pas nous croire de toute qualité rimée. Alors, nous devons vérifier les informations qui viennent vers nous, parce que tout le temps, quand la vérité finit, les opposants de la vérité, je mets sur le côté blâme, sur le côté tasse, le groupe de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ben là, vous voulez éteindre la lumière d'Allah. Pas de la bouche. Mais tout ce qui est blâme, le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, il y a une fouche, ou bien dire, c'est pas lui, il y a une sorcière, ou bien il raconte bien des histoires, hein? Ou bien il y a un poète, alors, ou bien il y a une menteur, alors tout ce qui est parole, dire pour effarouche Bandimoun depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et de la même façon pour effarouche Bandimoun depuis Man, Alim qui l'a la vérité, ou bien Man qui invite bien la vérité. Mais Allah dit, mais Allah, pour compléter sa lumière, même si Ban Koufar n'est pas content ça. Comme ça, même Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Wasbir ala ma yakouloun, oh Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Soumat, prends patience sur ce qu'il va la dire Wahjurhum hajran jamila. Et reçois des autres dans une bonne façon. Alors, prends patience et reçois des autres dans une bonne façon. Alors, prends patience sur ce qu'ils veulent dire. La tchoukate, pas de mauvaise parole, il va la dire. Allah dit encore, Fala yahzun ka kaouluhum, qui banna cette parole, pas fait toi sa crainte. Alors, qui a des paroles qui va dire qui Allah peut dire à Rasul Hassan, pas fait cette parole, fait toi sa crainte. Une bonne parole, il y en a d'autres qui se une mauvaise parole, qui m'a fini d'action là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas de sape. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleur créature, c'est lui qui plie qu'on cause, c'est lui qui servit plus, langue à plus doux qui capable d'exister, plus bon façon qui existait. L'ingain, tout ce qui a été blâme, à ce dire, ben, comment nous, avec tout le manquement qui nous est, non, c'est normal, tout ce qui a été blâme, pour venir, alors, il ne faudrait pas ou laisser ben blâme affecter ou, c'est fier ou peine à l'esprit, Allah, le bon ami, pas de nous l'esprit, ben, du monde qui permet tout là, qu'est-ce qu'il se peut dire, est-ce que c'est courant, tout là, d'après compréhension des ben salaf, des saoumats là, c'est ça qui m'a nous la mal, là, alors ça, c'est, ben, nous montrer où, ça, c'est base de la vérité, base solide de la vérité. Si je dis comme ça, ça veut dire, vous acceptez-le. Si je dis haut de ça, vous rejetez-le. C'est trop facile. Alors, Allah, souvent, la vente, il donne chacun parmi nous l'intelligence, qu'Allah, Rabbul Amin, il aide nous pour nous servir de l'intelligence, pour qu'il nous trouve la vérité vraie et nous suive. Comme ça même, nous devons prendre précaution contre les qui médias font des choses populaires. Alors, il y en a beaucoup, les autres réseaux. Ou trop qu'ils sont populaires, alors les médias feraient plus populaires encore, un paquet, mais qu'on t'a pleuré, un paquet, qu'on a l'émotion beaucoup. Alors finalement, ça a été un petit coup de main là-dedans, les faisaient bien populaires, ben du monde croit qu'ils sont maintenant à cause de populaires, je de la vérité, je prends la connaissance depuis maintenant, encore beaucoup du monde peut suivre, je de leur YouTube, beaucoup du monde peut suivre, je de leur Facebook, etc. Et même alors ça arrive de dire, jour qui à toi, Ibn Abi Rabah, Timo, ici la personne qui ben du monde qui est plus satisfait avec lui parmi les habitants sur la terre. Alors, je tout connais qui est à toi, lui, dans la vérité. Mais seulement, malgré ça, personne ne peut assister à ce majlis, excepté 9 ou bien 8 personnes. Bien, il y a du monde qui peut assister à ce majlis. Alors, il est un grand alim, je tout respecte, je tout connais. Mais seulement, combien de monde tu peux apprendre avec lui? Si il y a du monde tu peux apprendre avec lui. Alors, ça ne veut pas dire qui. Quand un djimoun, beaucoup de monde peut prendre les soins avec lui, ça y est, à quoi d'apposter. Un autre qui beaucoup peut prendre les soins avec lui, ça y est, il y a la vérité. Pas nécessaire. Alors, nous toujours, nous guettons les comptes, nous guettons les comptes. Nous. Et un dernier point, et ça, un point plus important, c'est nous besoin de gagner courage pour prendre un stand qui est bizarre, vis-à-vis de ceux qui d'apposter. Un djimoun qui a envie de manger la vérité, il a envie de signifier la vérité, il est bien capable. Compte carré, ban qui peut opposer la vérité. Il ne faut pas lui donner un coup de main, ban qui doit fausser. Après, il dit à moi, mon compte à la vérité. Mais si vous donnez un coup de main, ban qui doit fausser, vous pouvez aider. Vous pouvez aider pour fausser, pour pas propager. Alors, il faut dire, regarde, dire, comment tu peux aider
si tu es vivant. Jusqu'à une époque que tu as trop du monde, pas peut faire la différence entre la vérité et posté. Alors, lui, il dit, moi, Moïse, aidez-moi. Il donne man qui dans la vérité aussi, il donne de man qui dans la posté aussi. Alors, ça y est, il pas faire la différence entre la vérité et la posté. Non plus entre les mu'mines et les kafirs. Non plus entre l'honnête et les traîtres. Et non plus entre les jahil et les alim. Alors, c'est à l'époque-là, une fille est venue. C'est à l'époque qu'il ne peut vivre ça. Du monde, pas faire la différence entre la vérité postée, pas faire la différence entre mu'min, kafir, pas faire la différence entre man qui honnête, man qui traite, et pas faire la différence entre man qui jahil et man qui alim. Alors, ben là, pas vous connaître ce qui est marouf, et je pas vous réprouve ce qui est munkar. C'est ça, qu'on aime qui est bon, qui besoin faire, et qui ben munkar, qui besoin réprouver, qui besoin, je dirais, restreindre de ça. Ibrahim ibn Maysara, qui fait le mot l'année 132 Hijri, de dire, celui qui honore un bidati, en vérité, il peut aider pour démolir l'islam. Quand on aide un bidati, dans n'importe quelle façon, il est capable de faire darouloum. On appelle ça darouloum, soit exemple, enseigné, on envoie le Coran là-bas. Juste le Coran qui est enseigné là-bas. Ensemble avec le Coran, vous connaissez quand c'est poison, mettez avec ça, les enfants là. Beaucoup de poison peut mettre avec eux. Puis enseigner les autres, phosphosacrida, qui ça, man là, pour venir enseigner, man du monde, man phosphosacrida, t'allier là. Alors, beaucoup de monde dit, moi, je peux aider dans l'homme pour gagner, savoir, parce que je vais prendre le Coran. Pas 10 Coran, c'est vrai, même si tu vas prendre 10 Coran là-bas, tu dis, correct, mais dans l'homme, pas enseigner le Coran, dis ça. Et non, Dignat qui enseigne, et ça va être Dignat qui enseigne. Là, la majorité, ça va être dans l'homme qui est, non, qu'on appelle lui-même dans l'homme, ça, un thème qui servit pour vendre au bandit, ça. Ban qui peut inviter vers Allah partout. Ban qui peut inviter pour suivre un seul mashab, pas suivre aucun. Alim, je suis juste Abu Hanifa. À part Abu Hanifa, personne ne parle la vérité. Juste tout seul qui a la vérité. Ban qui peut inviter pour, ben, je dirais, approuve. Ban sec égaré. Soufizum. Ban qui sorti, ben quand c'est joué spécifique, etc. Alors, il y a d'autres qui tout ça là, c'est ban qui sort, qui ban ulama, puis mettez-nous en garde, c'est celui qui honore un bidati, en vérité, il peut aider pour démolir l'islam. Il peut donner un coup de main pour craser l'islam. Parce que c'est pas qui peut apprendre, fausseté pour une propage, fausseté là. C'est pas qui peut démolir l'islam. Alors fais attention. Celui qui peut en vivre et dépenser dans le chemin d'Allah, dépense dans le chemin d'Allah, dans la vérité. Pas dépense dans la fausseté. Quand on peut dépenser dans la fausseté, il y a un doute qui peut aider pour démolir l'islam. Alors, c'est un monde qui peut aider une organisation qui parpémence le chemin de la vérité, définitivement, il peut donner un coup de main pour détruire l'islam. Il rapporte qu'à la Ozaï, qui filme l'année 157 Hiji, tu as questionné, un monde dit qu'il fréquente ban Ahlus Sunnah et il fréquente ban Bidati aussi. Il passe bon, Arsana là aussi, passe bon, l'autre là aussi. À la Ozaï, il répond, c'est une personne qui voulait faire la vérité et fausseté égale. C'est lui qui passe bon avec man qui la vérité aussi, il passe bon avec man qui la fausseté aussi, il peut faire la vérité et la fausseté inégale. C'est pour lui, il peut faire la vérité et la fausseté bien une seule qui chose. Il y en a d'autres qui ça en lui-même, il y a un légat. Il y en a d'autres qui ça en lui-même, il y a un légat. Abdullah ibn Muhammad al-Harawi, qui fait le mot l'année 480 Hijri, il dit, cinq fois, ben là, fin présentement devant l'épée. Ben là, pas fin dire moi, retourne de ton mazhab. C'est quitte ce qu'il te peut dire. Mais ben là, fin dire moi, reste tranquille contre celui qui contredit à toi. Et ça allume là, tu peux répéter, ben qui l'a fausseté. Alors ben là, fin mettre l'épée contre lui, fin menacer, qui fait hein? Arrête de répéter. Papa, tu as dit sans seule opinion, garde l'opinion. Mais c'est moi, arrête de répéter, ben qui l'a fausseté. Arrête de répéter, ben qui l'a fausseté. Mais moi, fin dire, moi pas pour rester tranquille. Ça y est, il faut continuer de répéter, ben fausseté qui, ben du monde, peut proposer parce qu'il peut en doute ça c'est djihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est certains efforts qui parlons d'Allah si nous faisons ça il faut aider nous pour nous marcher sur le tel mustaqim qu'Allah Rabbul Amin il aide nous tout pour qu'il nous trouve la vérité vraie et il aide nous pour nous marcher sur ce chemin là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nous pour un manquement qui est capable glisser de nous pas par l'ignorance ou bien même parfois nous connaissons la vérité mais c'est moi par l'injustice de nous pas alors qu'Allah Rabbul Amin il pardonne nous
pour tout Saman et Riala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala li aide nous pour nous maintenir le surat al-Mustaqim jusqu'à ce que l'amour vienne avec nous. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala amina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.